J'ai commencé au tout début, les débuts du boccia au Québec. C'était toujours des défis à relever, puis c'était toujours intéressant d'aller plus loin, là, puis de trouver des solutions, de chercher des solutions, même si des fois, ça arrachait les cheveux, parce que c'était pas toujours évident. J'aimerais ça dire aux filles de pas hésiter de pratiquer ce sport-là, parce que je vois pas la raison pour laquelle il y aurait pas autant de filles, d'athlètes. J'ose croire que présentement, on a fait un bon bout de chemin, puis que d'autres, ils peuvent reprendre le flambeau puis continuer ce parcours-là. C'est plus de la compétition, c'est de l'entraide. Si quelqu'un avait de la difficulté dans quelque chose, on fait toujours compter sur un partenaire ou quelqu'un d'autre pour nous donner des trucs. Ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, de voir que j'ai été un petit maillon dans la chaîne de cette grande aventure-là.